Bonjour à tous, je vais vous parler donc de mes achats que j'ai fait au magasin Action hier. Alors c'est un magasin, j'y vais souvent car il y a des bonnes promotions et voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Comme par exemple ces grosses bougies. Alors je les ai prises parce qu'elles étaient en promotion. Donc c'est celle-ci à la vanille et celle-ci aux fruits rouges. Donc avec à l'intérieur 3 mèches parce que c'est une très grosse bougie. Je crois que c'était au prix de 2,75 €. Voilà. Ça sent super bon. Je les ai utilisées, je les ai allumées hier et franchement, Ah non, celle-ci, c'est à la groseille. C'est pas aux fruits rouges, hein, c'est à la groseille. Et elles sentent super bon. Après, j'ai pris. Alors, je vais vous faire voir. Hein. J'adore parce que moi, le bambou et moi, ça fait qu'un. J'achète beaucoup de choses qui ont des bambous. Voilà, j'adore ce design. Alors, c'est une huche à pain qui, voyez, il y a une petite planche à découper. Alors, tout simplement, si vous voulez enlever la planche, vous faites comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez votre pain. Donc pour le couper, c'est simple, hein. Vous mettez votre planche ici. Voilà. Je vais faire du bruit. Elle est un petit peu, par contre, pénible pour la mettre correctement. Vous voyez, regardez. Parce qu'il y a toujours un décalage. Je la mets mal à chaque fois et je perds un temps fou. Voilà. En fait, il faut bien la mettre dès le départ. Alors là, c'est bon, vous mettez votre pain et ils offrent un petit couteau avec à pain. Mais alors là, franchement, 0 sur 20, sur 100, 0. Il coupe pas. Il coupe, mais ça vous fait un pain. Vous voyez comment il est coupé? Là? Il est coupé comme ça. Je vais vous faire voir. Alors, je vais baisser. Donc déjà, voilà, vous voyez, il faut bien partir d'ici, voilà, pour mettre la planche correctement. Vous la mettez comme ça et après vous appuyez. Là pour le pain, vous allez voir. Alors je veux le couper. C'est pas terrible, vous voyez? Donc ben, je l'aime pas. Ce couteau, je l'aime pas. Et après, ce qui est pratique, donc vous avez ici, vous mettez votre doigt en dessous pour soulever la planche. Et après, vous mettez votre pain à l'intérieur. Donc, bien comme ceci. Et vous, voilà. Il faut avoir la technique. Et par contre, je l'adore. Vous voyez, c'est discret. C'est vraiment très, très bien. Et au prix, quand je vais vous dire le prix de ce produit, il est à 5,95 €. Donc, pourquoi se priver? Alors après, je vais vous faire voir voilà, ce que j'achète beaucoup aussi chez Action. Ce sont leurs masques. Je vais y arriver. Oui! Donc voilà, j'achète beaucoup, beaucoup de masques parce que ma fille me les prend déjà. Ils sont vraiment super. Donc j'en ai beaucoup, hein. Alors j'ai les Gold Masques. Voilà. Alors ça, c'est au prix. J'ai gardé le ticket, hein, de caisse. J'en ai eu 13 pour seulement 10,91 €. Je me mets comme ça parce que j'ai mon pied. Il tient pas en fait. Il tient pas bien mon portable. Alors, donc ceux-là, c'est les Gold Masks. Vous les trouverez chez Action à 2,38 €. Donc les deux, hein, bien sûr. Donc un seul, celui-ci, il est à 1,19 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher du tout. Et ils sont très efficaces. Je les ai déjà testés, ceux-là. Alors, après, vous avez, ils sont trop mignons, les masques Halloween. Alors, les masques Halloween, ils sont à 79 centimes l'unité. Et je trouve qu'ils sont trop chou, chou, chou. J'adore. Après, vous avez. Ah oui, alors ça, les Sweet Max Masques, j'arrive pas à le dire, hein, c'est terrible. Hein. Alors voilà, c'est la gamme Sweet Mask.
Alors, les animaux, voilà, ça, j'ai pris les deux comme ça. Et ceux-là, ils sont à 75 centimes l'unité. Ceux-là, je ne les ai jamais testés. Donc, voilà, je vous dirai, hein, quand je vais l'utiliser, je vous dirai sur un post Instagram, comme d'habitude. Et là, il y a le Honeybeer. Honeybeer. Donc, ça doit être un masque au miel, au nez. Alors, celui-ci... Celui-ci. Animaux. 75 centimes. C'est la même gamme, de toute façon, que celui-ci. Voilà. Donc, après, je vais pouvoir retrouver. Alors, il y a le masque coréen. Alors, le masque coréen, c'est celui-ci. Il est exactement à 69 centimes. Donc, vous avez celui-ci. Et l'autre, c'est ma fille qui l'a pris parce qu'elle l'a déjà utilisé. J'ai dit, attends. Mais non, elle l'a pris. Et donc, ceux-là, ils sont à 79 centimes. Voilà, donc tous les produits, hein, donc... le collagène, c'est celui-là. Je l'ai retrouvé. Le collagène, il est à 95 centimes. Alors, bah, écoutez, je vous noterai tout dans la description de la vidéo. Je vais donc tester tous les masques que je n'ai pas encore testés. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et à liker.